On se trouve pour l'épisode 16, donc on est dans la prison, on va essayer de s'échapper. Donc les Udam vont pas créer une prison infaillible, bien sûr. Bon, on a déjà récupéré un grappin. C'est déjà la base. L'or là. Ah bah j'ai compris. Top. En plus il n'y a pas de garde, c'est ça le pire. Je sais pas si c'est le pire ou... Est-ce que je vais réussir à me détacher? Ouais, nickel. Il est où le bleu là? Il y avait un mec bleu ici. Il aurait pu nous aider, même si c'est un ennemi. Ça aide toujours. Alors là, il y a pas mal de... Ah, tu remarques quand même, il y a pas mal de tombes, on dirait. Oh putain. Ok, on va y aller, Dijkstratos. Par contre, ils nous ont laissé quand même un couteau, tu vois. Hop, on reprend notre équipement, notre petit gourdin. Et on va devoir sortir. Oula. Pourquoi le froid te tuerait? T'es un peu bête, toi. T'as récupéré ton équipement, Google. Normalement, tu devrais pas avoir froid. Alors. On redescend difficilement, mais sûrement. Allez hop, on va y aller tranquillou. Enfin, là, je rush, hein, mais. Voilà quoi. Hop! Fouille les grottes pour trouver la sortie. Ouais, ouais, on va trouver ta sortie. On va y aller quand même tranquillou. Non, ne tombe pas. Merci. Quand même. T'en as un là. Un là. De moi. Ok, ok, on y va. Je crois qu'il était blessé, ouais. Bon, je les ai eus, c'est plus principal. Je me préoccupe pas trop de leur santé là en ce moment, tu vois. Plus de la mienne. Ouh putain. Voilà. Alors là, par contre, tu vas me le payer. Oh putain. Alors mon ami. Oh putain. Ouais. Non mais tu sais très bien que je rigolais avec toi, non? Et on finit. Oh putain, tu me fais brûler là, tu vois. Tes conneries. J'espère que tu vas mourir. Voilà. Je suis un pro du saguet, tu vois. Hop, ça c'est bon. Normalement, on se les a fait. Putain, ils ont pris un cœur de mammouth, quoi. C'est énorme le truc. C'est un. Putain, t'as un truc comme ça te ferait une putain d'entrecôte, quoi. Bon, hop, on va descendre par là. Bon, je suppose qu'il y a des trucs à récupérer assez sympathiques quand même. Ouais, mais autant te tuer quoi, ça sert à rien de te laisser en vie.
Là ça aurait été, tu vois, ça aurait été intelligent qu'ils prennent ton équipement mais pas tes habits. Et que tu récupères tes habits, tu sais, t'auras un petit peu la mission. Putain, ils sont malades on dirait. Bon là quand même, faut le faire. Alors, tu vois là, tu vois, c'est le bon moment, tu vois, tu fais. Hop. Merde. Voilà là. Tu refabriques. Tranquillement. Hop là, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Ah, pas moi le méchant. Ok. Ils vont se battre entre le battre, entre tuer. Et nous, on va partir par là. Ouais, on se casse en attendant qu'ils s'entretuent. Pas grand chose à faire de leur combat un peu inutile, tu vois. Éliminer le gardien de la grotte. Qui est? Pas moi le méchant. Moi je me casse. Ok. On va récupérer un max de choses avant de partir quand même. Ok. Ou quoi? Fuis les grottes pour trouver la sortie, on se casse. Bon, ils vont s'entretuer déjà. Oh, remonte. Allez hop, défoncez-vous la gueule. Vous ne préoccupez pas de moi. Je suis en train de faire Tarzan. Le mec qui sait pas quoi faire, voilà. Hop, c'est bon, on se casse. On voit plus d'empreintes. Ah, si, on voit les empreintes. Pouf! 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 Attends, regarde. Viens. Poum! 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 Et là, normalement. Ça devrait suffire, ça. Hop. Et ça, hop. Hop et hop et hop et hop et... Attends. Toi, est-ce que tu vas l'avoir? Non, bien sûr. Voilà. C'est parti, mon kiki. Mon cher ami, sortons de cette prison. Putain, franchement, là... J'entends une bête. Oh, Jean-Pierre, t'as réussi à me retrouver. Allez hop, c'est parti. Voilà. Faut qu'on retourne au village du coup. Ah, on a quand même une bonne partie encore ici, ouais. Je sais pas ce que ça peut être. Terminable, terminé. Bon. Uparash Darubalya Laiwabi
Charufadaspi, Pasalwaya, Machi, Aucha. Utakarbuli Mwana. Nusi Saus Hinacha. Ah si, ça permet de contrer la fumée putréfiante. En fait, on aurait dû le faire depuis le début en fait. Mais dans tous les cas, ça c'est obligatoire. On est obligé de le tuer pour pouvoir passer, tu vois. Mais au lieu d'entouré de fumée empoisonnée, un sédent peut vous aider. Ouais, bah ouais, je sais bien qu'elle peut nous aider, tu vois. Je sais même très bien quoi. Donc là, normalement, je peux le fabriquer avec soin affecté en tant que de soin primitif, soin basique. Voilà. On va mettre celui-là, comme ça, ça évite de nous bouffer de la viande. Et on va passer peut-être, ouais, bon, bref. Tant que soin rapide, 2 barres de santé. Ah, j'avais complètement oublié ça. Stimulant. L'antidote, faudra pas que j'oublie de le mettre ça. Ok, mais on a d'autres choses à faire, je pense, entre temps. Et je pense bien plus important. Il s'agit de développer déjà nos trucs. Et le apprivoiser les prédateurs, non, pas encore besoin. Confectionner le dedans, ouais. Ça, c'est bon. Ok. C'est surtout qu'on va pas en avoir besoin encore pour l'instant. On va voir la date du dame. Date du dame, il a l'air de vouloir nous parler. On va y aller. Cette grosse brute a enfin décidé de nous parler. Alors, qu'est-ce qu'elle nous veut? Udam Sanchita. Quarda. Udam. Palhu winja huwana. Ma mash damsham udam gwar barta. Damas krawadandaf winja barda sakwi. Nay! Udam aywa tani bar. Widum. Winja udam barash. Ay. Mask. Elle nous donne des ordres maintenant, elle. Je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe. Un accueil. Aider Ada à survivre la colère du comité d'accueil Wenja. Oh non, putain, ils les ont amenés pour le buter au fait. Du coup, on va foncer direct avec Jean-Pierre. Allez, Jean-Pierre, on y va, Jean-Pierre. Allez, 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 hop, Jean-Pierre, ramène tes fesses. On a besoin de toi, là. Allez, allez. La belle monture. Allez, on fonce, mon gars. On va essayer d'aider les Wenja aussi sur le chemin. Ou pas. Vas-y, petit sauvetage. Qu'est-ce que tu veux? Oh là. D'accord, lui il arrive tranquille. Ah oui, je le bute. Saloperie. Toi tu te prends des armes. Allez hop, Jean-Pierre, tant pis, hein, le Wenja est un peu. Hop, je récupère la flèche en passant. Excuse-moi. Hein. Ah, ça c'est bien plus stylé, tu vois. Hop. Voilà, hop. C'est pas plus rapide non plus. C'est pas le plus rapide. Ça c'est sûr. Allez, on repart par le haut. On va aller sauver vite fait notre Udam. Ah
Alors franchement, je devrais faire juste un une vidéo où je prends mes plus grosses gamelles à félin, tu vois, toutes les arbres que je me suis pris depuis le début. Franchement, je pense que je pourrais faire un best of, tu vois. Comme quand la première fois je l'ai utilisé, que j'ai réussi à le noyer, quoi. En fait, il est hyper sensible à tout, tu vois. Il pourrait tout simplement sauter, tu vois. Voilà, sauter comme ça, tu vois. Mais non, il le fait pas, il préfère se cogner. Vas-y, hop là. Cette bête n'est pas facile, vous pouvez. Je vais le tuer, le da. Putain, je vais le sauver. Je vais le sauver quand même, le pauvre. Enrayer la montée d'eau. Comment je dois faire? Il faut colmater les fuites. Mais comment tu veux que je fasse ça, moi? Ah, mais je pourrais jamais ça. Mais c'est impossible avec ce poisson là. Tu vas me casser les couilles. Allez, 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 allez. Hop. Comme ça qu'on la colmate. Une de moins. Bon, faut que je remonte, faut que je remonte, faut que je remonte. Faut que je la colmate aussi, celle-là. Et la dernière. Ah putain, elle est profonde, celle-là. Allez, 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 faut pas. C'est même si c'est un Udam, faut le sauver. Putain, on a quand même une putain d'apnée. Ouh, c'était chaud quand même. L'eau, elle monte vite, hein. Putain. Hop là. Bon, ça c'était sympa. Là maintenant je pense que je peux augmenter. Je pense que je peux faire ça, lui. Non, je peux toujours pas. Je suis peut-être trop pressé. Ouais, je suis peut-être trop pressé. Je suis toujours pressé, moi, tu vois. Je sais pas que ça va faire. Alors, on va retourner là-bas. On va retourner au village et on va voir ce qui. On va essayer d'avancer pas mal sur Da. Hop. Et voilà, quoi. Why?
Bon, on va t'améliorer tout ça. Voilà. T'as une maison, tu vois. On t'offre une maison au lieu d'une cage, quand même. Le petit Wedja qui connaît pas trop, qui sait pas ce que c'est un Nidam, tu vois. Il s'approche en mode discrotos. C'est quoi cette bête? Et on peut faire même une quête dessus, quoi. C'est super ça. On peut. Ah, il faut chasser le rhino pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous débloque comme compétence? Donc, du coup, j'ai vu ouais, qu'on peut être moins sensible à certaines attaques. Ok, bon, du coup, on va se lancer sur sa quête. Hein? Hein? Pourquoi pas? Hein? Oh, c'est gore. Ça doit faire mal. Tam Han Yakikadav Udam Chartasu Majish Yaka Chas Kanhi Tuta Chas Kani Waidan. Ouais, on a encore rencontré. En fait, dans notre village, on a que des cinglés. Et on se dit les héros, quoi. Vous vous rendez compte de ce que. De ce qu'on fait, quoi. Et bah écoute, ça va être parti pour repart en montagne. Bah écoutez, on va repartir en montagne. On va faire sa quête. On va aller chercher de la poudre d'os du dame. Donc je suppose qu'il faut aller tuer des idames. Et après, bah on va arrêter sur cet épisode. Mais on a pas mal de choses encore à faire sur. Sur cela, allez hop, viens là mon petit. Voilà mon petit, t'es là. Hop, c'est parti. On va monter sur ton petit dos. Et on va partir. Bah. Ah si, sans pas d'ici. Chercher de la poudre d'os du dame. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais. On va bien trouver. Vachement pratique cette monture. Là, je me verrais pas faire 600 trucs à pied, quoi. Oh, quoique, j'aurais pris un mammouth. Ça peut être utile aussi, le mammouth. Hop, je descends pas. Putain, il manquerait plus une petite musique, tu sais, sur quand t'es en monture, t'as une petite musique, une petite radio. Qu'est-ce que. Excuse-moi. La poudre d'os. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va descendre l'aventure. Marquez le guérisseur du dame qui prend pas la poudre d'os dont le bas a besoin. Alors, qu'est-ce que. Qui me parle? La pourriture est toujours parmi nous. Pouf! Non. Putain, j'ai. Ouf.
Hop. Oh putain. Ce putain de poison, il est... Franchement, il est dégueulasse. Putain, c'est quoi ça? Ce Beans. Non mais ils jouent tous avec les bombes maintenant. C'est quoi votre délire? Et c'est quoi votre délire? Vous savez que les bombes c'est mauvais pour la santé. Et vous fumez cette putain de merde comme des chèvres. Oh là là. Faites trop de bruit les filles. Faites trop de bruit. Alors, ça c'est bon. Chercher. Alors j'ai du mort. Ça va plus vite à chercher que. Voilà. J'ai pas assez de puissance en fait. Voilà. Moi t'es sûr que là. J'ai assez de patates, je crois. Il me faut de la peau de bête, mais bon, ça, on la trouvera. Ça aussi. Et toi. Et toi. Hop là. Le guérisseur, je sais pas où il était. Donc ici je suppose. Ok. Ouais, il bouge. Oh là là. Ça c'est petit bug de blocage là. Échappez-vous du clan du dame. Bah on va repartir par là où on est arrivé hein. Comme... pourquoi là je peux pas en fait. J'ai pas de grappin. Peut-être j'ai peut-être un peu trop haut peut-être tout simplement. Et tiens on va tenter on va tenter ça tiens. Un petit antidote, ça marche. Ouais, il marche. Au moins, on le saura. Au moins, on le saura. Ok. Poudre d'os, terminé. Ouais, c'est super. Moi, je vous dis, on finit cette petite vidéo avec une petite chasse. Pas mammouth, hein. On va éviter le mammouth. Là, il fuit. Ok. Bon, ça c'est bon. On récupère la petite feuille jaune. Et on va s'arrêter ici pour cet épisode. On se retrouve pour la suite. Et... Ul mourra. Ul ou Urki, le penseur, nous rejoindra. La suite au prochain épisode.